Bon matin, je viens de mettre ma première vidéo YouTube en ligne. Je suis quand même un petit peu stressée de qu'est-ce que vous allez en penser. J'espère que vous allez aimer ça. Pour aujourd'hui, je vais filmer un petit vlog. Il faut que j'aille faire mes ongles. Puis je suis un petit peu triste parce que c'est la dernière fois que je vais voir ma technicienne en pose d'ongles pendant un petit bout. Parce qu'elle s'en va en congé maternité. Je suis vraiment contente pour elle. Elle va avoir une petite fille. Fait que je suis vraiment contente pour elle. Elle va me manquer pendant un petit bout de temps, mais c'est pour le bien d'elle et de sa petite fille. Ce matin, on a pris ça quand même assez relax. Théo, il nous a fait une belle nuit. Il a dormi toute sa nuit, première fois en à peu près 2 semaines. On est vraiment contents. Puis je vais vous amener avec moi pour aller faire mes ongles. Ah! Tu passes de crasse. Théo vient de se réveiller de sa sieste. Il est juste ici. C'est Monsieur Bonheur. Je peux pas vraiment dire qu'il s'est réveillé parce qu'il a pas vraiment dormi. Fait que j'espère que pour le rendez-vous, il va être gentil. Là, je suis en train de le préparer. Puis je sais pas trop comment l'habiller dehors. Il a neigé super fort ce matin. Là, ça s'est calmé, mais est-ce que j'y mets son manteau d'hiver, son manteau de printemps? Fait que je vais regarder la météo. C'est quand même assez spécial, un mois fin avril de neiger comme ça. Théo, il est encore dans sa coquille pour ma voiture. Pas pour la voiture à Ali, mais c'est parce qu'on n'a pas encore acheté un gros banc. Ça devrait s'en venir bientôt. Et c'est pas mal ça. Là, je vais le préparer. Puis je vais vous emmener avec moi pour mes ongles. Oh non! Y'a-tu quelqu'un sur le tapis? Bon, la situation est sous contrôle. Maintenant, quand que je change Théo, je suis obligée de donner un jouet parce que sinon, on a commencé à jouer à un jeu récemment, c'est qui attrape le caca plus vite? Fait que j'y donne un jouet pour qu'il puisse jouer avec. Comme ça, ça l'enlève l'idée de vouloir se toucher. Puis, ouais, c'est ça. Parce que là, tu prends ton caca. Il va être un petit bébé gentil. Hein? Tu vas être un petit bébé gentil? Ouais. Dans ma dernière vidéo, je voulais vous parler des chaînes que j'aime écouter. Mais je pense que j'aimerais ça changer ça. J'aimerais ça que vous me dites en dessous dans les commentaires, vous, la chaîne que vous écoutez, parce que je sais qu'on écoute pratiquement toutes les mêmes, mais j'aimerais ça d'en découvrir des nouvelles. Puis si ça serait possible, des plus petites chaînes. Je sais pas que je suis un peu tannée des grosses chaînes, puis je trouve qu'on laisse pas assez la chance aux plus petites, ils se font pas assez connaître. Fait que j'aimerais ça que si vous avez une chaîne ou si vous en connaissez, juste mes écrire en bas vos chaînes préférées. Puis je vais les regarder et je vais les regarder. Puis dans une des prochaines vidéos, je vais vous dire mes préférées, dans le fond ceux que j'ai aimés le plus. Comme ça, ça va peut-être vous aider à en découvrir des nouvelles vous aussi, puis ça va m'aider à en découvrir des nouvelles à moi. Ouais! Doucement avec ton chat. Non, Molly! Ouais, c'est ça que je disais dans l'autre vidéo. Elle est constamment dans nos pattes, faut tout le temps qu'elle soit où ce qu'on est. Vous en avez eu la preuve. On va finir de se préparer, puis je vais vous reparler après. Je viens d'arriver à la maison. J'ai fait un petit crème comme ça. J'aime vraiment ça, ça fait vraiment délicat. Théo, il faisait dodo dans l'auto en revenant, fait que j'ai été couchée. J'espère qu'il va se rendormir. Pour l'instant, je vais manger parce que j'ai pas encore dîné. J'ai du poulet avec la petite sauce chili. C'est ma sauce préférée, il faut que je la montre. Faut vraiment que je la partage, je la mets vraiment sur toutes. C'est celle-là, la chili sucrée taille. Après avoir mangé, je vais probablement faire un pain aux bananes. Je sais que j'ai des bananes qui sont dues.
Oli est dans douche présentement, il vient d'arriver du travail. Moi, je fais des tacos pour le souper. Puis, je vais donner le souper en même temps à Théo, les purées que je lui ai faites. Tantôt, Théo, il a dit pour la première fois « Maman ». Si j'ai gardé la vidéo, je vais vous l'insérer juste ici. « Maman ». Bravo, mon amour! Sinon, pour le reste de la soirée, je sais que Oli voulait gamer ce soir avec le copain de ma soeur. Mais sinon, pour moi, j'ai pas grand-chose de prévu, fait que je vais probablement vous reparler demain matin. Ton chat veut pas rien savoir. Doucement. Doux bébé. Oh, ça c'est pas beau. Bon matin. Aujourd'hui, on est vendredi. C'est ma journée classique ménage. Je suis super contente. Théo, il a fait une très belle nuit encore. Il a dormi au complet. Puis, je pense que j'ai trouvé c'était quoi le petit problème. Théo, dans le fond, il se réveillait la nuit. Puis, la seule façon pour le rendormir, c'était lui donner un boire. Fait que j'ai commencé le jour à lui donner des plus grosses portions puis des petites collations. Puis, ça fait 2 jours que je fais ça. Puis, les 2 dernières nuits ont été parfaites. Fait que je pense que... Tu sais, il dépense beaucoup plus d'énergie maintenant. Fait qu'il a besoin de plus de nutriments puis tout. Fait que je suis bien contente. Je croise les doigts pour que ça soit vraiment ça le petit problème. Présentement, Théo fait son petit repos du matin. Mais comme ça, ça me donne l'opportunité de faire mon ménage sans avoir mon petit bébé dans les pattes. Cette semaine, on a quand même gardé ça assez rangé, assez propre. Mais il faut quand même que je fasse le ménage. Fait que je vais commencer à m'y mettre tout de suite. Je prends une petite pause de mon ménage parce que Théo vient de se réveiller. Là, il est 11h30. Je vais le faire dîner. Puis, je pense qu'après, on va jouer un petit peu ensemble. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup vlogué. J'étais vraiment dans mon ménage. Tu dis-tu allô, mon amour? Allô? Comme vous avez pu voir dans mon ménage, on n'a pas de grande décoration à la maison. En fait, c'était tout différent ici. Les meubles étaient vraiment différents, mais moi, j'aime vraiment ça changer tout le temps, la déco et tout. Fait que j'ai décidé de racheter des nouveaux meubles, comme ce divan-là. Dans le fond, on avait un gros divan en L avant brun. Puis on l'a vendu parce que mon copain, il a vraiment une manie. Lui, admettons, les coussins comme ça, s'ils sont écrasés comme ça, il aime pas ça. Puis c'était vraiment trop gros pour notre salon, fait qu'on l'a vendu. Puis on s'est acheté ça comme sur un coup de tête. C'est juste un divan 2 places. Mais là, on repense vraiment à racheter un divan en L. À peu près dans les mêmes teintes de gris, mais en L. Puis, même chose dans le fond pour le meuble là.
On l'a acheté au IKEA. J'étais censée acheter des genres de bacs en osier pour aller dedans. Mais ça fait comme 6 mois qu'ils sont en rupture de stock. Puis on est allé une fois parce qu'il y en avait en stock. Rendu là-bas, la madame elle nous a dit qu'en même pas une heure, tout avait été vendu. Fait que là, on est en train de réfléchir à changer ça, ce meuble-là, pour un meuble de télé plus petit. Puis ce meuble-là, lui, dans le fond, le meuble de télé qu'on utilise en ce moment, on va le mettre ici, sur ce mur-là, ou sur l'autre mur ici. Puis je vais mettre les jeux de Théo dedans. Comme ça, au lieu de traîner partout, on va avoir bien du rangement là-dedans. Puis je vais pouvoir mettre la nouvelle déco. Sinon, oui, si on voulait changer ça, notre divan, on veut le changer. Même chose pour notre lit. Ouais, c'est ça. Dans le fond, pour notre chambre, la base brune, on veut vraiment la changer. On n'est plus capable. Oli, il voulait faire une base lui-même, dans le fond, avec du bois, puis je sais pas trop, une tête de lit. Il voulait pas tenter ça. Mais avec la hausse du bois, on va attendre avant de faire ça. Puis, même chose, le cadre ici, j'aimerais ça le changer. J'aimerais ça racheter des plantes. Et on est vraiment dans les dépenses de décoration, puis on veut rechanger quelques affaires. Même chose ici, dans le fond, ça c'est mon bureau de maquillage. Mais pendant la pandémie, le premier confinement, puis tout ça, moi je travaillais encore. Fait que j'ai travaillé la maison. On avait toutes mis mes choses d'ordinateur, toutes là. Puis dans le fond, Olivier s'est acheté un écran d'ordinateur, puis pour gamer. Là. Fait qu'on l'a laissé là pour qu'il puisse gamer. Mais tu sais, j'aime pas vraiment ça parce que les deux sont comme à la même hauteur. Il n'y a pas vraiment de... Je sais pas, je trippe pas. Fait qu'on aimerait changer ça. Mais ça, c'est encore des projets, là. Ça coûte cher, la décoration, puis tout ça. Fait qu'on va faire ça petit peu par petit peu. C'est pour ça que ça peut paraître vide. Même chose, cette horloge-là, je suis pas mal tannée de l'avoir. Fait que... J'ai bien hâte d'aller acheter les décorations. On va probablement faire ça bientôt. On va y aller petit peu par petit peu. Je vais vous apporter dans mon magasin trèfle, IKEA. Je suis Oh my god! J'avais jamais remarqué que j'ai autant... Oh! Oui, je vais vous apporter dans mon magasin préféré, le IKEA. J'aime tellement ça aller là-bas. Pour vrai, quand je vais là, je dépense tellement, ça n'a aucun sens. Faut vraiment que je me parle à moi-même pour me dire « Ok, là, c'est assez les dépenses. » Mais oui, j'ai vraiment hâte. Ça devrait être dans des prochains vlogs. Là. Comme je vous dis, on veut pas tout acheter ça d'une shot. Fait qu'on va y aller petit peu par petit peu. Puis en même temps, je vais pouvoir vous montrer l'évolution de notre petite décoration de l'appartement. Présentement, je suis en train de faire chauffer la purée pour Théo pour son dîner. Il va manger de la dinde avec des petits pois puis des bleuets avec la mangue. Puis pour moi, dans le fond, il reste un petit peu de viande à taco. Fait que je vais me faire une genre de salade style taco. Puis pour cet après-midi, je pense que je vais prendre ça relax. J'ai fait quand même une grosse partie du ménage. Il me resterait la salle de bain puis la chambre à Théo. Mais je pense qu'on va prendre ça relax, hein, mon amour. J'ai un colis aussi à aller chercher près de chez moi. Fait que je vais aller chercher ça, puis je vais vous montrer dans le fond c'est quoi qu'il y a dans mon petit colis tantôt. Je viens d'aller chercher le colis. C'est chez Gap. Dans le fond, voilà comme une semaine, ma belle-mère, la mère à Ali, elle était sur le site, puis elle m'a dit de choisir qu'est-ce qu'on aimerait avoir, puis elle allait le payer. J'ai pris, c'est un ensemble de pyjamas. C'est dans le... 12-18 mois. Ça, c'est le chandail. Puis ça, c'est les petits chats. Mais honnêtement, je pourrais quasiment faire des ensembles avec ça. Tu sais, ça, mettons, avec un chandail gris, puis ça, avec des petits chats ou des pantalons. Fait que je vais pouvoir faire des belles petites ensembles avec ça. Ah oui! Cet ensemble-là, je capote dessus. C'est encore 12-18 mois. C'est de Mickey. Je capote. C'est tellement beau, les petits détails. Un petit chandail comme ça. Puis, même chose, c'est les petites shorts.
Je capote, j'ai tellement hâte d'y mettre là. Cet été, il va tellement être beau là-dedans. La dernière ensemble, c'est encore un 12-18 mois. C'est la même chose, dans le fond, un petit chandail comme ça. Puis les petites shorts qui vont avec. Je viens de mettre les petits ensembles comme ça pour que vous puissiez mieux les voir. Mais honnêtement, c'est des pyjamas, mais moi, je pense que je vais les mettre aussi comme ensemble. Je pense que ça va être parfait, ça avec une petite paire de sandales ou des petites chaussures pour cet été. Bon ben moi je vais terminer mon vlog ici. Je sais pas si je vais filmer en fin de semaine parce que Oli est pas full à l'aise avec ça. Mais c'est ça, j'ai assez de contenu je pense pour un vlog. Puis qu'est-ce qu'on dit bébé? Merci de nous avoir écoutés. Puis à la prochaine. Oh. Bye bye. Oh les beaux bisous. Oh merci.